Salut à tous! Je suis au bout du rouleau de printemps. Total. Vous avez déjà entendu parler de Total? Total a fait un partenariat avec qui? Ah voilà. Saudi Aramco pour lancer des études d'ingénierie pour la construction d'un complexe pétrochimique à Jubail. 5 milliards de dollars investis. L'idée, c'est de faire du. Attends. L'idée, c'est de faire du plastique. Du plastique. 1,5 million de tonnes par an. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah oui, mais vous savez pas où est Jubail? Jubail, c'est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ça vous parle? Tu sais, c'est les gens qui tuent les journalistes. Jamal Khashoggi, tué à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Là! Là! Hier! Avant-hier! Mais c'est pas grave, on va leur filer 5 milliards de dollars. Démarrage prévu en 2024. Le GIEC a pas dit qu'en 2024. Je suis au bout du rouleau. Alors toi, tu mets dans la poubelle jaune, la poubelle verte, hein, tu fais super gaffe. Mais pendant ce temps-là, nous. Non mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Attends. Nanana. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total. Nous sommes ravis d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune en lançant un nouveau. Mais putain, Patrick, tu vas fabriquer du plastique? Il n'y en a pas assez? Une croissance du marché des polymères en Asie, mais qu'est-ce qu'on. Mais on va où? L'Arabie Saoudite, ouais. Là, tu sais, c'est le pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, mais c'est pas grave. Je suis sur le site d'Amnesty International. Mohamed Ben Salman, le prince héritier, se présente comme un réformateur. 10 militants des droits des femmes arrêtés mi-mai, mi-mai 2018, mi-mai 2018. Et attends, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Dans ce pays, les femmes et les jeunes filles subissent de graves discriminations. Sans la permission d'un tuteur de sexe masculin, elles ne peuvent toujours pas voyager, exercer une activité rémunérée, faire des études supérieures ou se marier. L'interdiction de conduire est l'un des. Elles n'ont pas le droit de conduire! Elles n'ont pas le droit de conduire! Mais nous, on a le droit de faire du business. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein? T'es marié, Patrick? Elle a le droit de conduire, ta femme? C'est pas grave, c'est pas grave. Fabricant du plastique en Arabie Saoudite. Ah, mais j'avais oublié! L'Arabie Saoudite. Le Yémen! Mais oui! Le gazon, les gamins, yéménites! Mais on va quand même faire du plastique! Mais il est fier, en plus. Il est fier. Patrick Pouyanné, mais t'es fier? Mais t'as pas des enfants? Des petits-enfants? Toi, actionnaire de chez Total, Total, ça rime avec mal. Non mais fais quelque chose, quoi, je sais pas. Réveillez-vous, mais vends! Vends tes actions! Patrick, t'as fait Polytechnique, je le vois là sur Wikipédia. Les mines, t'as fait les mines? Enfin, je veux dire, t'es intelligent, non? Enfin, t'as compris qu'il y avait un problème. Mais pourquoi tu fais ça? C'est mondial, le truc. Tu pourras plus aller en vacances aux Seychelles. L'eau va monter. Avec ton plastique, l'eau va monter. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. En même temps, il y a forcément un truc auquel tu as pensé. Me dis pas que tu n'y as pas pensé. Ta raffinerie est au bord de l'eau. Quand ça va monter, tu vas faire comment? Tes investissements, tes 5 milliards. Je veux dire. Mais me dis pas que tu n'y as pas pensé. Mais ils en ont rien à branler. Mais ils nous racontent. Non, ils nous prennent, mais. Ils nous prennent vraiment pour des cons, putain. Arrête. Et Dieu sait que je suis un pragmatique, hein. Je suis un genre, bah, elle me limite. J'en ai rien à foutre, moi non plus, hein. Hein. Je fais mon petit chemin. Mais là, la coupe est pleine. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut faire quelque chose. Faut arrêter. Patrick, parlons peu, parlons bien. Quand tu auras ce message, s'il te plaît, Monsieur Pouyanné, allez, je vais vous vouvoyer. Vous êtes dans une position décisionnaire. Vous pouvez faire quelque chose. Pourquoi vous le faites pas? Fais quelque chose, tu peux. Tu peux. Pourquoi tu le fais pas? Oh putain. J'avais oublié que l'ancien président de Total, Christophe de Margerie, était mort dans l'accident de son Falcon à Moscou en 2014. Oh putain, on n'a pas le cul sorti des ronces.